Hello, bonjour, je vais parler du prince William, Kate Middleton et du prince Harry. On va parler des Jeux Invictus et de la dernière rumeur qu'ont sorti les tabloïds. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on parle de toutes les rumeurs, bonnes ou mauvaises, sur le couple de ce sexe, afin d'apporter notre opinion, notre commentaire hein, sur ce qui a été dit, notamment par les médias, par ces trolls et haters. Et je pense que c'est un commentaire qui se rapproche un peu plus de la réalité. Vous savez qu'il y aura la cérémonie de célébration des Jeux Invictus. Cette cérémonie aura lieu le 8 mai prochain, c'est-à-dire mercredi prochain, et le prince Harry sera présent. Une cérémonie qui aura lieu à la cathédrale de Saint-Paul de Londres. Les Jeux Invictus sont très importants en Angleterre parce que c'est une organisation qui permet aux vétérans d'exceller, n'est-ce pas? C'est une chose très importante, et même l'armée anglaise participent aussi à ce niveau-là en envoyant d'anciens vétérans qui ont été blessés à la guerre y participer. Et la question qui se posait, c'est est-ce que pour cette célébration-là qui est importante, n'est-ce pas, par les 10 ans d'anniversaire de la création, est-ce que le prince William et Kate Middleton seront invités à cette cérémonie-là? Premièrement, pour Kate Middleton, peut-être ça sera non, parce que on connaît très bien ce qui s'est passé. Pour William, certains disent que le prince Harry lui aurait envoyé une invitation, et que l'invitation aurait été snobée par Buckingham Palace. Jusqu'à aujourd'hui, Buckingham n'a pas confirmé que les membres de la famille seront présents. Il n'y a pas eu de confirmation, il n'y a rien qui a été dit par rapport à cela. Donc, personnellement, est-ce que je pense que le prince Harry a envoyé une invitation? Je pense, connaissant le prince Harry avec son bon cœur, n'est-ce pas, et le respect qu'il a envers son frère, son père, je crois qu'il a envoyé l'invitation. Il a envoyé de bon cœur. De bon cœur. Donc oui, je pense qu'il a envoyé l'invitation, mais il sait très bien que, connaissant l'orgueil du prince William, celui-ci risque de ne pas venir. Et ce n'est pas une mauvaise chose parce que je crois que ce serait un peu trop distrayant et on aura trop de commentaires de la part des tabloïds, hein, toujours soit négatifs, soit juste pour faire, comme on dit, du cancan. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos. Et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.